Ah là là, c'est bon normalement. Ah non, c'est pas bon. Oh. Non, va y avoir un Larsen. Bonjour à toutes et toutes, j'ai encore merdé mon réglage de départ. Non, au secours, va y avoir un horrible Larsen. Attendez, je vais couper le micro, ça va être une catastrophe. Voilà, là déjà vous devriez pouvoir m'entendre sans qu'il y ait de l'Arsen, des coups, je sais pas quoi. Sinon, mettant à fond le son de la télévision, ça va pas le faire. Oh là 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 là, comme un dimanche matin, oserais-je vous dire. Donc, toujours pas de Final Fantasy, parce que les PlayStation sont pas rebranchés, j'ai pas trouvé ma solution technique pour voilà mon aménagement de fortune là, que ça se passe bien. Chapeau, parce que j'ai un bordel et c'est pas accessible pour le moment, j'en suis navré. Mais bon voilà, je suis quasiment au même programme que le dimanche dernier, mais il y a surtout des variantes l'après-midi, parce que je ferai par exemple du Portal 2. Et j'avais pas fait le dimanche dernier. Je vais sûrement faire un Gartic Show, je pense, après le tableau mystère en soirée. Voilà! Avec ça, j'espère que vous allez bien, que je vais vous changer les idées. Attends, j'étais en mission ou pas du tout? Je crois que j'étais pas en mission. Ah oui, se rendre là où une mission est possible. Ok. Effectivement. Ah, j'ai le prout-prout bazar des mercenaires. Le bar des mercenaires. Il n'y a pas une bagnole de dispo là ? Ben voilà, que demande le peuple. Ah, il y a quelque chose dans le coin. Ah, ça va être en hauteur. Ça va être en hauteur et à mon avis, je crois. Non, je doute que je puisse y accéder. Ou pas?
Comment ça va? J'avais cru voir quelque chose bouger. Je vais me refaire la santé. Comme je sais qu'il y a toujours une pharmacie complète. Je vais peut-être m'acheter des trucs, héros. Attendez voir. Parce que j'ai une centaine de diamants, normalement. Ouais, 104. Attendez, équipement, j'ai tout, je crois. Oh, magnifique! Et à tout! Oh la vache. Amélioration de réparation. Ouais, bof. Ah. Mais lance-roquette, c'est un truc de fou quand même. Je sais pas. Je préfère m'amuser à tirer au lance-roquettes quand j'arrive à en avoir un sur place. Parce que l'idée d'en avoir un mois à partir en mission avec. Mais c'est vrai que ça peut être complètement craqué. Parce que si on gère bien la trajectoire, on peut faire un meurtre en un demi kilomètre de distance. Enfin bref. Mitrailleuse légère. Putain, je vais me la jouer à la Terminator. Un Makarov à silencieux. Oh la vache. Eh, en infiltration, ça peut être sympa. Hein. Mon mortier. J'ai jamais su comment s'en servait, alors. Je sais pas. Alors attends. Je vais payer déjà ça. Je vais revenir sur l'ordi pour acheter l'amélioration de fiabilité. Parce que si j'ai un matos classe qui merde, je vais rager. Je vais dire nope. Je vais pas l'accepter. Ouais, alors amélioration de précision. Voilà. Oh la vache. Qu'est-ce que je fais? J'achète le mortier. Le mec, il est déchaîné, il sait plus ce qu'il veut faire. Soyons fous, allez, on achète le mortier. Ouais, nouvelle amélioration disponible. Oh, j'irai voir. Attends, je vais aller voir la mission dans au bar. Oh, je te la vis, je t'ai bébé. Et là, je boum. Je fais tout péter. Bonjour les mercenaires. Il aurait été malvenu que j'ouvre la porte et que je dise bonjour bande de cons. Je suis ici. Mais je sais que t'es là. Je suis contente que tu sois ici. Et moi alors? J'ai un problème. Ah bon? Il y a un officiel de l'APR qui fourre son nez dans le coin du village de Gon.
Ah bon? Faut qu'il arrête. Il y a des choses que je voudrais pas qu'il trouve. Il se promène autour du village avec quelques gardes seulement. J'espère que tu iras voir et que tu t'occuperas de lui. Qu'est-ce que c'est que cette façon de me regarder de côté, toi? T'es suspect. Merci. Imagine pas à quel point c'est important pour moi. Oh, je te dois bien ça, le nombre de fois que tu m'as sauvé la peau, écoute, ma grande. Puis c'est pas comme si ça faisait rallonger la durée du jeu. Oh merde, la malaria qui fait... qui fait suer. Non, ah, la malaria. Alors attends. Attends, j'ai plus de voix, faut que je boive, faut que je sirote mon café au lait, moi. Alors, précision pour le mortier. Waouh, j'espère que ça vaut le coup, hein. Putain, la vache, 10 diamants pour la précision et la fiabilité du mortier, vous voyez. Eshko ! Et ben voilà, tout va bien, on est passé de 100 je sais plus combien, 104 diamants, je crois. À une trentaine. Putain, le mec il est fou, il est flambeur. Mais j'ai des armes dernier cri. Donc on va... Putain, le mortier. Eh, je vais faire des essais tout de suite sortis d'ici. M'en fous, quitte à tirer dans la berge. Mais il faut que je teste le mortier parce que j'ai jamais su m'en servir. Attends, le truc à silencieux là, histoire que je me la pète à la James Bond. Ah c'est... Ah ouais. Ah ouais, non mais là il y a un magasin de 100 balles là. Mais attendez, il faut absolument que je teste le mortier sur le quai. Comment fonctionne le mortier? Voilà. Je... Comment on fait? Attends, je reste appuyé. Il faut que je jauge avec l'inclinaison. Non, mais vous êtes sérieux, les gens? Là, si je veux viser la cabine, je fais comment? Oh putain, ça va loin. Ou pas? Et ça va viser le truc? Je comprends plus rien. Attends, la caisse devant moi. Eh, excuse-moi, mais je vais les mettre en alerte, hein, le temps que le truc de fumée jaune... Attends, je tire le truc là. Je reste appuyé. Ah, il y a l'autre derrière. Et là, boum. Bon, tu vas me dire, je tire dans l'eau, alors... Et là, j'ai plus rien, je crois. Je suis à sec, c'est ça? J'ai plus de mun. C'est pas écouté, si? Pourquoi j'ai pas d'indication de compteur de munitions? Ne me dis pas que c'est le mortier est limité. Je comprends pas. Je comprends pas le fonctionnement du mortier. Là non, c'est tiré contre la montagne. On est d'accord. Ça devrait faire bon, non? Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Imaginons que je sois content de ma cible ici. Bon là, avec un peu de chance, ça va être le restant de la barge. Ouais, bof. Pas convaincu.
là c'est peut-être mieux. Passe le changement à la souris. D'accord. Et là, ça va faire tout. D'accord. Et là, on est d'accord. J'ai utilisé une munition. Ok, je viens de comprendre le truc. Oh la vache. Eh ben, dis donc. Ouais. Ça me laisse dubitatif le test de la du mortier. Bon, on va essayer le truc à la Rambo là. Ça vaut quoi ça? Ah ouais. Ouais, c'est l'équivalent de ce qu'il y a sur les véhicules. Bon, en limité, forcément. J'ai pas des munitions limitées, mais c'est sympa. Parce que faire usage d'une centaine... Attends, je vais avoir 250 munitions. C'est scandaleux. C'est trop bien. Alors attends, du coup, ça fait que j'ai... Oh la vache, 300 munitions. J'ai le fusil de snipe, j'ai le truc à la James Bond, le pistolet à silencieux. Pas mal, pas mal, pas mal, c'est... ça me plaît. Alors c'est quoi la mission? Je ne sais plus. Oula, je vais prendre un bus, moi, c'est à l'autre bout de la carte. Et c'est quoi l'intitulé de la mission? Aller au village de Gon et tuer le fonctionnaire de l'APR. Nasrin Davar a des antécédents avec le village de Gon et ne veut pas que ça se sache. Elle a pris soin de ne pas laisser de traces, mais il y a toujours un risque. En ce moment, un haut fonctionnaire de la PR est en train de fouiner dans le coin, je dois l'éliminer. Ok. Ok, ok, ok. Non mais je vais y aller en bus. Alors je vais sauvegarder parce que j'avais pas sauvegardé. C'est pas comme si j'avais fait plein de manip depuis un quart d'heure. Bonjour, Ben Jackson. Ah, j'espère que tu vas mieux, que ta nuit là de samedi à dimanche t'a permis de récupérer, d'être plus en forme que la veille. Ah là 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 là. Oh la vache, t'as réussi à dormir un bloc de 2 heures, dur. Dur, dur, dur. Oh, c'est terrible. C'est... Quand j'entends ton témoignage... du coup, pardon, c'est moche, mais moi, je me réjouis de me dire, finalement... moi qui trouve que je dors comme une masse... parfois, je me fais peur à me dire, est-ce que je vais vraiment entendre mon réveil le matin? C'est un gros avantage, en fait, moi, que je parvienne à faire mes nuits de sommeil... Ah là là là, ma pauvre Benzaiten. Alors, il va falloir que je contourne. Ah mais c'est avec le relief ici, c'est pas du tout évident.
Ah, je peux peut-être y aller par la rivière. Ouais. Ouais, si, allez, je peux faire la... Je ferai une trotte à pied sortie de la rivière. Merde, enchaînez-le. Non, c'est... Oui, bah non, je vais même y aller à pied maintenant, parce que vu le bordel. Ah, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose dans le coin. Peut-être par là-bas. Alors au pire, je serai à côté de ton lit avec mon maillet 5 tonnes pour te réveiller le matin. Oui, tu fais une référence à Nicky Larson, la City Hunter, du vrai nom de l'œuvre, l'animé, avec Nicky, la compagne de Ryo Lee Saiba. Enfin, Ryo Saiba, pardon. Parce que Lee, c'est mon cousin, il a rajouté Lee parce qu'il est fan aussi de Jackie Chan et Bruce Lee. Laura dans la version française, oui, j'avais oublié le prénom français. Je retiens toujours la version originale. C'est mignon parce que dans la version japonaise, elle se prénomme donc Kaori. Et Kaori en japonais signifie parfum. Ou odeur, mais odeur dans le sens noble du terme. Quelque chose qui sent bon, pas quelque chose qui sent mauvais. Je sais plus quel est le terme pour dire un truc qui schlingue en japonais. Je l'ai oublié. Attends. Oh mon dieu, il est déjà 10 heures. Putain la vache. J'ai de l'art, messieurs dames. Deux petits diamants, les petits cailloux qui brillent. Alors, moi qui pensais avoir un navire, bah je l'ai dans le cul. Tant pis, je vais faire à pied. Je vais faire à la nage. On va passer ce canyon. Ne pas voir l'animation des bras du héros, j'avais l'impression que j'étais devenu un navire là. Je pense que j'ai eu un petit bug. Alors, Benzaï, t'as étudié moi, Nicky Larson, je l'ai connu en version française dans le club d'eau. Ouais. Mais, bah justement, mon cousin, c'est pour ça qu'il a pris d'ailleurs le pseudo de Ryo Lee Saiba. Parce qu'il est fan de l'animé et il est fan, voilà, comme je t'ai dit, des arts martiaux, là. Avec Jackie Chan et Bruce Lee. Oui, je m'étais intéressé à la version originale. Pourquoi? Parce que il existe, elle est rare, mais il existe une version non censurée. Il y a des passages coquins qui avaient été ôtés évidemment pour la télévision française, qui sont des scènes drôles, hein, mais c'est en dessous de la ceinture. Donc évidemment pour le club Dorothée, ça avait été censuré. Attends, je suis où là? C'est quoi ce... Ah, je suis assez affaibli. D'accord. Non, je suis pas du tout là où je veux aller, moi. Non, il faut que... Soit je marche... Ouais, je reprends la route. Mais à mon avis, je vais avoir la visite d'une patrouille mobile. Bizarre. Pas convaincu par ce que je fais, mais bon. Non, à mon avis, il y a une patrouille qui va me tomber dessus. Benzaitan, tu as pensé quoi du film de Nicky Larson avec des vrais acteurs? Perso, je n'ai pas du tout été convaincu. Ah, alors moi, si, plutôt. Moi, je te cacherai pas que je comprends pourquoi
L'auteur japonais original a accepté de donner le feu vert à la bande à Fifi, là, je crois qu'il s'appelle. Je sais plus le nom de l'acteur. Mais on voyait que ça lui tenait à cœur. Parce que. Il a. Mais alors, il a bossé ses muscles. Alors, il était déjà pas mal à la base. Mais il avait déjà une bonne base, d'une bonne, on va dire, une bonne silhouette. Mais il avait expliqué qu'il en avait bavé pendant des jours et des jours à suivre un régime d'athlète et à se muscler. Ça a duré je sais pas combien de mois, parce qu'évidemment ça s'obtient pas du jour au lendemain. Je lui souhaite de s'entretenir maintenant parce que c'est vraiment un beau mec du coup. Et non, ça, il a fait ça comme un acharné quoi. Là, pour le coup, j'ai envie de dire, il fait ça dignement comme les Japonais peuvent s'engager et avec honneur dans une tâche à accomplir, si je puis dire. Là, déjà, il a fait beaucoup d'efforts pour réaliser ce film. Et après, le film en lui-même, Le Parfum de Cupidon... tu l'as pas trouvé très convaincant, Nicky Larson? Ah, franchement, j'ai trouvé qu'il était pas mal, hein. Moi, j'ai accepté. J'avais peur, hein, j'avais l'appréhension, comme beaucoup de monde, de me dire il va faire de la merde, ça va être une catastrophe. Et je dois me rendre compte que non, finalement, il s'est vraiment investi, comme je viens de t'en faire la démonstration. Enfin, donner l'explication, du moins. Il s'est vraiment investi dans le rôle, dans le scénario. Et... Alors, moi, j'étais amusé, Didier Bourdon, dans le rôle du gars, enfin bref, le personnage qu'il incarnait, je trouvais sympa qu'il prenne Didier Bourdon. La demoiselle qui justement incarne Laura là, ou Kaori, très bien. L'imitation elle est parfaite. Non, moi j'avais bien aimé. Et d'ailleurs, je me refuse. Tu vois, je t'avouerai, Benzangten, que je me refuserai pas de le remater prochainement, tu vois. Ce film-là. Parce que j'en ai gardé un bon souvenir. Je trouve que c'était bien. J'irai pas non à un revisionnage. Attends, c'est ma cible qui est devant moi? Non. Oh, j'essaie de me la faire classe à la James Bond. Merde! Mais non, mais. Si je tire des balles en mousse, comment voulez-vous que j'attire pas la cavalcade et que j'alerte tout le monde? Moi, je m'attendais à distance à lui faire un tir à la tête et que c'était fini. Bah non. Mais non, mais comment veux-tu que je fasse une attaque furtive? Tiens, mange-toi une grenade, toi. Oh merde, il y a l'autre qui tire au mortier, justement. Bon, ma cible, elle doit être en haut. Dans le village. Salopard. C'est pas ça que je voulais faire, c'est une famille. Alors. Ils m'ont tué. Le pire live action que j'ai vu et qui me reste encore à travers la gorge et qui, rien d'en parler, j'ai envie de commettre un meurtre. Sur la boutique qui a osé faire une dope pareille, c'est Sailor Moon. Ah, j'ai pas vu par contre. Toi, tu me l'apprends. Je savais même pas qu'il y avait un live action Sailor Moon. Alors, je sais qu'il y a eu plusieurs films cochons au Japon. Avec des pauvres demoiselles qu'ils ont transformées en Sailor pour les. Hein, pour explorer leur lune, on va dire ça comme ça. Mais bon. Mais de savoir qu'il y avait un film. Oserais-je dire tout public? Je ne savais pas.
Non, là, je me suis mis dans la merde. Là. Il va falloir que je prenne une sauvegarde précédente. Parce que là où je voulais me soigner, j'appuie sur sauvegarde, je me suis planté. Oh là 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 là. C'est la fête. Ah oui, ils vont avoir besoin d'aide, tu m'étonnes. Jette les armes pour te crever. Allez chercher le Toubib. Allez chercher, personne. Ah, je peux faire une attaque. Merde, il est où? Ah, c'est lui. Merde. Je me trompe encore de touche. Ah, il m'a jeté son arme. Ah, j'ai vu du monde. Eh oh, un peu là. Merde. J'aime bien le... Non, là, j'aime bien la manière dont je suis cerné, ça me plaît. Tu rates rien, au contraire, mais Luna, le chat qui parle, c'est un fucking peluche. Enfin, une fucking peluche. Ça, non, je peux pas l'accepter, je crois, moi, mais... Oh, merde! Ah bah non, pas mes lunes. Je mourrai avec mes munitions. On peut pas l'arrêter? Ça sent mauvais. Oh la vache! On fera le cadeau, les salauds. Oui, je pense qu'ils ont pris le même chat que Samantha est une sorcière là. Non, je pouvais pas accepter, crois-moi. Crois-moi pas, mais quand j'avais vu, j'avais littéralement chialé devant l'écran. Ah ouais, ouais, ça t'était deg de la. Ouais. Pour toi, ils avaient fait du. Oui, une bouse avec une œuf qui te tenait à cœur. Ouais. C'est paumé. Ils l'ont perdu. Il est pas loin. Merde, tu l'as vu là. On devrait se disperser et le chercher. Mais je me souviens quand je voyais le. Au Club Dorothée, le dessin animé original, c'est leur moon. C'est vrai que les phrases. Le prince charmant et tout, c'était classe, moi j'aimais bien. Je trouvais ça mignon comme tout. Bon merde. Le mortier, il m'a arrêté. Ah, ça pour déchirer, ça déchire déjà. Oh la vache, comment il m'a liquidé. Alors, ils appellent ça un Power Ranger-like. Alors, par contre, pour rester sur le registre de Sailor Moon, alors, je vous l'avoue, hein, j'ai la chance d'avoir tipiaqué à l'époque du pire tout pire, la foison. J'ai plein de jeux de vieilles consoles avec émulateur, là, ce qu'on appelle les ROM. J'ai été surpris de découvrir un excellent beat'em all. Alors beat'em all, c'est patatez-les tous, hein, c'est un jeu de Rix en masse. De Sailor Moon sur Mega Drive. Peut-être qu'un jour je vous le ferai sur mon antenne parce que il m'a fait une excellente impression. Je trouvais fidèle au dessin animé, l'ambiance était originale. Mais. Merde. J'ai pas le temps de recharger. Ils sont nombreux dans le patelin, hein, vache. Ça vous fait une scène de guérilla de fou. Mais non, par contre, le jeu vidéo Sailor Moon, je l'ai trouvé franchement bien sur Mega Drive. Il est pas loin. Je peux presque le sentir. Ah bah tiens, il y a une pharmacie, très bien. On peut pas l'arrêter. Il est là-dedans. Qu'à sa position de pratique. Qui a tiré? Toubib, allez chercher le Toubib. Non.
crois que je les ai eus, non? Ou pas? Ah bah c'est lui de mettre de la grenade que j'ai jetée. Ah il est pas mort lui. Ah oui, appelle des renforts, c'est rigolo. Oh merde. Oh la vache. Lui, il m'a trucidé à l'armure lourde. Moi, j'en avais fait un sur Super NES, mais bien, mais un peu court. Super NES? Ah, c'est là où je me rends compte que je confonds la console au niveau de l'émulateur. C'était la Super NES, c'est pas la Mega Drive? Oh, il faudrait que je vérifie, Benzaiten, tu mets dans le doute. Mais j'irai pas non à vous le faire sur mon antenne. Parce que franchement, je me garde un bon souvenir quand je l'ai testé. C'était vraiment ce qu'on appelle une bonne surprise, quoi. J'en attendais rien. J'étais curieux. Puis quand je me suis lancé dedans, j'ai trouvé trop bien. Ça... Enfin... Je sais pas comment dire. Je trouve qu'ils ont fait une presque l'équivalent d'une qualité du premier Street of Rage. Ils ont pas fait de la merde. Je trouve qu'ils avaient soigné leur jeu. Merde, oh là 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 là. Allez, quand je recharge la sauvegarde, il faut que je me soigne parce que 2 sur 5 de vie avec l'artillerie lourde qu'ont les mecs, je suis mort. Je suis pas un Terminator. D'ailleurs, les Terminators aussi, c'est des jeux qu'il faudra que je vous fasse sur mon antenne. Je suis fan de la saga Terminator. Je t'ai vu! Mais... Ça, le petit flambe. Il y en a d'autres ou Vous voulez partir? Il est quelque part par ici. Il est passé par là. Il est là. Je le vois. Allons-y. Qui m'a vu? Ah oui, il y a le monsieur mortier là. Il faut aller. Oh merde. L'ambiance elle est trop bien, hein. J'adore. Tu veux te faire planter? Merde, je l'ai paumé. Il est pas loin. Où tu l'as vu la dernière fois? Il y a des jolies poteries. Ça c'est une jolie poterie. Jolie poterie. Oh. Dommage qu'il y ait le toit en... Attends. Attrape. Oh. Oh, cette chasse à l'homme! Je me chute! C'est trop bien! Oh, ce carnage! Oh la vache! Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a une explosion, c'est pas possible! C'est pas moi qui les ai liquidés, si! Je m'en souviens même pas! Question Benzaiten. Attends, ah oui, pardon, excuse-moi. Attends, je vais déjà répondre à celle que tu m'as adressée. Tu parles d'un Beat'em All, le gameplay est le même que Final Fight, c'est ça? Alors Final Fight, je te confesserai que je connais même pas. Je connais pas Final Fight. Non, moi quand je pars d'un Beat'em All, un patatin et tous en masse, l'exemple que je prends toujours, c'est un jeu qui a bercé mon adolescence, c'est Street of Rage. La rage dans la rue là. Qui est un jeu japonais dont le nom original en japonais c'est Bare Knuckle. Mais non, Final Fight, je connais pas. C'est bien, je suis content que tu me donnes des références vidéoludiques que j'ai pas, parce que ça va éveiller ma curiosité. Ça va éveiller ma curiosité. Ah, ma cible est... Non, mais ma cible est au sommet du village, c'est évident. Ne pas connaître Final Fight, c'est scandaleux. Eh ben tu vois, tu peux péter un scandale, je ne connais pas, tu vois. Mais promis, je m'y intéresserai dans le courant de la semaine prochaine, Benzaiten.
Il y a ça, puis il y a un autre jeu, un vieux jeu de golf que Tunsen veut absolument que j'essaye. Je le ferai peut-être sur mon antenne aujourd'hui, je sais pas, on verra. Encore que c'est peu probable, mais... Mais il voulait absolument que je découvre le jeu. Je sais pas, on va voir. Enfin, vous me connaissez, moi c'est 100% plaisir. Merde, je m'éloigne de ma cible. Je me dis, c'est bizarre là, c'est un quartier que je connais pas du patelin. Non mais c'est la capitale ici, c'est pas possible. J'ai jamais vu autant de baraques. Alors Benzaiten, tu dis... Merde, la malaria fait suer. Et surtout, ne pas connaître le meilleur platformer sur SNES, Boogerman. Ouais, alors... je te confesse que moi, l'enfance, l'adolescence, je fus l'heureux possesseur d'une Mega Drive. Donc le répertoire de la Super NES, je le connais très mal. Mais vraiment très mal. Oh merde! J'ai fait tomber le... tout le bazar. Oh la vache, il y a ces trucs. Ouais, bah non, on a une mission, je suis à fond. Qui c'est qui? Qui c'est qui essaie de m'abattre là? Bah. Je vais l'éliminer au petit flingue silencieux. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ma cible, elle est où là? Ouais, elle est pas du tout là. Et je vais continuer à prendre les hauteurs du patelin. Boogerman, je l'ai découvert sur Ram Station. D'accord. D'accord. Oh, je savais pas qu'on pouvait se barrer en... Ah, mais oui, mais c'est tout trouvé. Oh putain, la vache. Le village troglodyte, là, qu'on voit, c'est trop beau. Oh, j'avais jamais fait gaffe. Une fois que la mission est accomplie, rappelez-moi de me barrer en deltaplane. C'est trop stylé. Bonjour le baron. Là, 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 là. Oh, tiens. Ah non, le mec, ma cible n'est pas là. Oh, puis la nuit qui tombe. Faudra que je me trouve une planque pour faire passer la nuit, là. Quoi, elle est là, ma cible? Oh, elle est nerveuse, ma cible, elle bouge. La cible sait que son heure est arrivée. Attends, c'est qui, lui? Ah non, c'est pas... c'est un objet. J'ai cru que c'était un objet... un humain, mais non. Non, ah oui, d'accord, c'est un truc de bloubou. C'est qui? Ah, bah, c'est lui. Oh! Je savais même pas qu'on pouvait renverser des bras zéro. Ah, oh, tiens. Ah, bah, alors, j'ai découvert un truc. Moi qui joue à Far Cry 2 depuis des années... On peut renverser les bras zéro. Ah bah voilà. C'est lui qui me l'aura appris. Après je sais pas combien de centaines d'heures de jeu. Incroyable. Allez. On va libérer la bête. Oh. Boum. Ouais, c'est bon. Bon allez, on se barre en deltaplane alors que le cadavre est en train de cramer. C'est horrible. Je ne laisse aucune trace. Oui, moi je récupère bien le baron. Merci. Non, mais j'ai bien dormi. Non. Alors Benzaiten, bah, j'espère que toi aussi d'ailleurs. Benzaiten me dit, ce que j'adore dans ce jeu, c'est lorsqu'il est à mi-parcours pour continuer, il se faufile dans le trou de nez d'un nid humain géant. Oula, c'est un concept. Ha ha ha!
Là, j'imagine le truc. Nom de la mission, nasalement vôtre. Ah ouais, c'est vrai, c'était le four avec les bonbonnes de gaz. Putain, le machin, il continue de flamber. Oh, oh, oh. Oh, l'horreur. Papapalapapalapa. Pardon, je me permets de m'adresser à le baron. En grand fan des Resident Evil que tu es. Mais ils avaient pas annoncé il y a quelques années ou durant avant le confinement, je sais plus quoi. Avant la pandémie, comme quoi ils feraient un Resident Evil uniquement en multijoueur. J'ai l'impression qu'il a été annoncé, qu'il a été avorté, qu'il n'est jamais sorti. Je me trompe. Alors Banzai Ten, tu me dis... Et ses armes sont mortelles, roues et crottes de nez. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est pas vrai. Il y avait un jeu qui avait été interdit dans les années 90 en France. Parce qu'en fait, il y avait un gros dinosaure qui se soulageait. Il déféquait sur vous. Et... Rien que pour ça... Merde. Oh non. Non mais comment je suis mort comme un caca. Rien que pour ça, ça a été censuré, interdit. Et c'était un boss, le niveau, c'était un T-Rex qui chiait, hein, excusez-moi du peu. Et il fallait éviter ces déjections qui prenaient un tiers de l'écran. Alors Banzai Ten, tu me dis également... Attendez, je maîtrise le deltaplane parce que comme je suis dans le canyon, et vu que je me... Oh, la belle pleine lune qu'on devine. J'espère que je vais tomber sur un véhicule, moi, sorti de là. Oh là, l'arbre. Oh, l'arbre. Oh, l'arbre, je l'aime pas. Là, ça y est, je suis dans la merde. Ah ! Ah ! Aïe. Bon, ça va. J'aurais pu me faire beaucoup plus mal. Alors, mon véhicule, il est où ? Merde. Au secours, j'ai un véhicule, moi. Il y a du diamant par ici ou pas du tout? Non, pas du tout. Ah, il y a une casse-bas toute proche. Très bien, je vais faire passer la nuit. Oh, regardez-moi cette atmosphère. La savane africaine de nuit. C'est une ambiance. On n'a jamais vu autant de féeries sur le continent africain. Oh, regardez-moi ça. On les entend même. Ah, bah tu parles devant moi, cet idiot. Elle va pas me charger. Me regarde pas, toi. Mais... Putain, j'ai l'impression qu'il me chargeait, cet idiot. Lancez la vachette. C'est dommage que j'ai le bug du message à la noix, la zone de cessez-feu. Ça fout en l'air les captures d'écran possibles à faire. Oh, il y avait une patrouille de vilains. Tout ça pour ça. Je prends une grosse boîte. Oh, un pote. Salam alaikum. Salam alaikum. Vous êtes le mieux placé. Vous êtes le mieux placé. Vous travaillez en solo aujourd'hui ou souhaitez-vous que je reste dans le coin? Oh, tu peux rester en appui. J'apprécierais, mec. Très bien. Alors la rumeur raconte que vous avez gardé Nasreen Davar en vie et en un seul morceau après son dernier fiasco. Naturellement, elle ne le reconnaîtra jamais. Elle est si fière. Ah, faut bien s'entraider entre mercenaires. Tant qu'on n'est pas rémunéré et missionné à se liquider entre nous. Salam. Alors. 6h30 du mat, c'est bien pour le réveil en Afrique. Voilà. Quand tu te déplaces sur les plateformes, c'est remplir du mucus verdâtre des plus dégueulasses. Oh, Banzai Ten, t'es terrible. Alors, le baron, tu dis... Alors oui, il n'est jamais sorti. Ça fait déjà un moment qu'on attend. Oh, merde. Merci, hein, le baron. Je me disais bien que j'avais eu l'info qui m'était passée sous le pif à un moment donné et que je lui dis, tiens, ils n'ont jamais accouché du beau bébé. Ah, la vouillure. Écoute, je crois que j'ai pas de mission, mec. Qu'est-ce qu'on fait? Ah si, il faut que je fasse mon compte rendu à la miss. J'ai rien dit.
Je vais aller faire mon compte rendu à la miss au bar. Les bus. Ah putain, il faut que je retraverse tout. Oh. Je suis désespoir. Oh, c'est beau soleil à 6h30 du matin. Magnifique. C'est magnifique. Attends, la carte elle est débile, je crois. Oui, la carte elle est débile. Non, mais j'ai une trotte à faire pour contourner la formation rocheuse, c'est une horreur. Ashi Bonanga Awa Nuna Shunani Nuni Awa Nuna Kashewara Nuna Ashi Bonanga Dudi Duda Didi. Alors ne pas s'engager sur le pont et tourner à droite. Ashi Bonanga. Il y a des gars. Coucou. T'es mort. Merci pour la grenade, monsieur. Enfin, d'ailleurs, j'en ai rien à péter. Oh. Oh. Tellement tentant de faire son vilain avec leur véhicule, là. Mais non, je résisterai. Je resterai professionnel. Ah, 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 ah. La la, li, lou, la, la, li. Louli, lilula, lilula, lilula. Ça y est, j'ai l'air dans la tête. Il est foutu. Il est foutu. Il est où l'arrêt de bus? Oh, il est loin. Oh non, je me suis trompé de route en plus. Oh non, c'est pas la bonne route. Oh, moi qui étais confiant, là, je suis en train de partir dans la cambrousse perdue au milieu de nulle part. Oh merde, vous savez quoi? Je vais me diriger vers une rivière et je vais faire le parcours en rivière. Enfin, en navire. Allez hop, terminer la bagnole, ça ne réussit pas. Je vais faire suer le monde en laissant le véhicule là. Oh merde, la malaria qui fait bobo là. Ah, ah le malaise, suite à Médoc. Ah, mon dernier cachet. Ou pas. Ouch. Non, le coup de simuler la maladie, franchement, dans le 2, je trouve excellent. Mais c'est trop frustrant, la défaillance des flingues. Il est à moi. Je veux ce navire. Se déclarer en lurk. Oui, merci le baron de passer en sous-marin. Merci du soutien. Bon dimanche à toi. Alors, Benzaiten, tu m'as dit. On m'a dit des choses. Moi, j'attends toujours Dungeon Hunter 6 sur mobile. Eh ben, je connais très mal, voire pas du tout, les jeux sur mobile. Mais non, bah c'est bien. Donjon de chasse 6. On traduit, ça donne des... Enfin bon, bref. Oh là là là. C'est un hack and slash. Ah oui, un peu à l'instar d'un Diablo. Oui, c'est un bon défouloir. Non, bah c'est bien, je suis content que t'arrives à trouver ton bonheur au niveau loisir numérique. C'est bien. Et je salue, d'ailleurs, tu vois... C'est là où je suis heureux de l'expérience Twitch. Parce qu'en fait, tu fais partie de mon public et tu m'abreuves d'une culture vidéoludique qui m'est vraiment incomplète, tu vois. Là, tu crées au scandale parce que, d'après tes critères, ton expérience, il y a des classiques que je devrais connaître et que je suis pas fichu de te nommer. Mais grâce à toi, dans les prochains jours, je vais me renseigner.
Je vais relire mon chat comme j'ai plaisir à le faire de temps à autre. Et je vais me cultiver grâce à toi. Alors tu dis j'attends, je suis préinscrit depuis juin, puis j'attends toujours. Ouais. Ah, ils finiront bien par accoucher d'un... Attends, j'ai pris la bonne direction, moi, je crois pas, non. Je crois que je suis parti en direction opposée de là où je voulais aller. Oh, puis merde, j'irai prendre le bus. Allez, hop. Oh là là, au moins je vais changer les véhicules. Mais remonter toute la carte en bateau aurait été pas mal. Je l'ai déjà fait une ou deux fois et c'est plutôt sympa. Mais l'occasion va peut-être se présenter. Là. Je me souviens pas de... Ah, c'est Céphapane. Ouais. C'est un patelin. Elle est belle l'église de Céphapane. C'est un Céphapane. C'est moi ou il n'y a plus d'eau là? Ah! Mais comment veux-tu? Mais non, mais. Ah non, mais il n'y a plus d'eau là, j'ai pied là. Tu m'étonnes que j'ai garé le navire. On n'a pas l'air débile. Faudra attendre que. Faudra attendre la saison des pluies que le niveau remonte. Alors, par contre, ce qui me déçoit, c'est que ma version Android est trop récente. Et que de ce fait, je ne puis pas jouer à Construction Simulator. Je suis tristesse. Ah, tu aimais bien Construction Simulator. Eh bien. Bonjour, Christella. Ben, merci, bon dimanche à toi aussi. Coucou. Bonjour, Tutsen. Là, encore un peu de nage avant que je puisse atteindre. Enfin, nage et marche avant de pouvoir atteindre l'arrêt de bus. Ah bah tiens, on voit l'arrêt de bus d'ici. Alors, j'ai pied, j'ai papier. Dangereux. Oh là là, l'endroit est terrible. Fusil à lunettes, j'ai pas besoin. Ouais, je vais prendre mon 9 mm avec silencieux. Mais le problème du silencieux, c'est que ça amortit tellement les balles que il faut être à bout portant. Parce que le gars que j'ai essayé d'abattre discrètement, les balles étaient en mousse. Le mec, il attend de gémir et de répliquer au fusil à pompe. C'était ridicule. Faut vraiment que je braque mes cibles à 10 cm de distance. Hein. C'est du corps à corps l'arme là. Sinon, ça sert à rien. Alors, la miss, elle est où? Elle est là, la miss. Allez, go, vas-y, acceptez. J'offre les croissants chauds à tout le monde. Oh, arrête une scène, tu vas te donner envie. Alors, Benzaï, tu me dis c'est les mêmes développeurs qui ont fait Farm et Euro Truck Simulator. Tiens donc. Ah, intéressant. Bon. Aïe. Ah, les commentaires. Sauvegarder et continuer. Ouais, je suis un boulimique de la sauvegarde. À tel point d'ailleurs qu'il va falloir que j'en compresse et que j'en supprime manuellement parce que je suis quand même parvenu, je tiens à vous rappeler, à faire bugger le jeu. Le jeu refusait que je sauvegarde durant cette carrière là d'ailleurs. Je l'ai vécu en direct avec vous. J'ai atteint les 1400 fichiers de sauvegarde et c'est la limite technique pour le jeu. Ce qui fait qu'après il bug et il refuse de sauvegarder. Mais j'avais des sauvegardes de ma précédente carrière, donc j'avais tout cumulé. Pour arriver à 1400 enregistrements, faut y aller quand même. Ah là là. Attends, je... Oh merde. Mais non, mais va mourir toi. Bah tiens, je vais essayer mon flingue. Ouais, non mais... Comment qu'il est tombé comme un caca? Non, mais il faut...
Il faut que je tire comme un dératé pour le tuer. Une balle suffit pas. Alors, faut vraiment être comme ça et pan. C'est horrible. C'est horrible. Bon, bref, il m'a barré la route, le saligo. Oh, le mec, j'explose la portière. Contre l'autre bagnole. Bonjour, Aerostar. Oh là là, cette scène surréaliste. C'est n'importe quoi. Y'a des lianes. Y'a des lianes qui pendouillent sur la route. Alors, elle est... Ouais, elle est dans le bar, la miss. Elle est sortie du bar, je referai le plein de munitions. Oh, je déclenche le feu. Même pas. Oh, le baril, j'arrive même pas à le péter. Ah, si, quand même. Eh ben, dis donc. Oh, merde, ça va être pour moi, ça. Oh, je vais mettre le feu au bar. Mauvaise idée. Quoi? Vous écrasez les tomates? Alors, la miss. Alors? Bah, j'ai réussi. Ah oui, ça pour être mort. Alors, je l'ai abattu de plusieurs balles dans le corps et j'ai fait brûler le corps. Je crois que je vais être malade. Ah là 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 là. Bon, on a plus rien d'autre à proposer, la miss. Moi, j'ai terminé. Reputation en hausse. Je vais prendre un coup de soleil. N'en parle pas. Niveau réputation 3. Ah non, mais là, je vais exciter tout le monde. Là. Oi, comment va-t-il? Ah oui, comment ça va toi? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Alors qu'il me pousse. Oh le bordel dans le bar, il ramasse même plus les sièges. C'est dire le boxon qui règne ici. Alors, les missions, elles sont dans la capitale. Oui, bah je vais pas me casser. Je vais sortir d'ici, je vais refaire le plein dans l'armurerie de munitions. Et je vais prendre le bus jusqu'à la capitale. Je vais pas me... Hein. Je vais défoncer mon T9, dit Benzaï. Oh mon dieu, Benzaï Ten. Mais non. Reste zen, Benzaï Ten. Tu peux te contrôler. Bon, le 9 mm silencieux, j'y crois pas. Je préfère faire le gros bourrin ou poser des mines. Des explosifs radiocommandés. C'est horrible. Hop. La 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 la. Allez, direction le bubus. Oh, je vais reprendre la citadine, elle était bien. Elle était bien, elle était compacte, rapide. De toute façon, je suis armé jusqu'aux dents, alors si je dois riposter, j'ai qu'à descendre le véhicule. J'ai trop envie de taper sur Twinsen ce matin. Oh. Tu vas le marquer, les marques d'affection. Pauvre Twinsen, il n'a rien demandé. La 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 la. Bidi 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 la. Bidi 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 bidi. Non, le bus pour la capitale, il est où? Ah, il est là. C'est ce bus-là que je veux. Bon, cette fois-ci, j'en prendrai pas là. C'est pas la peine. Ah, bonjour, le coyote. T'en vas faire de la confiture, dit Twinsen. D'accord. Ah, ange de lumière, bonjour. Pardon, je crois que je t'ai pas vu, excuse-moi. Honteux. Bonjour tout le monde. Oh là là, merci à vous d'être là un dimanche matin. Je suis ému. Voilà, bonjour le coyote. Oh là là, merci à vous d'être là les copains. Je suis ravi que je puisse vous divertir. Il y avait la mallette et il y avait le journal. Ah, alors que disait le journal? Attention, j'ai un flingue à lunettes. Alors c'est le newspaper post, tu m'étonnes.
Ah mon dieu, que dit le journal? Quoi? Kirby and the New Battle? La capitale. Il y a encore une petite trotte à faire que je vais faire en Jeep de qualité. En Jeep de luxe! Je vais chercher la mission secondaire suivante, ou principale d'ailleurs, c'était pas une secondaire que je vais faire là. Alors, hop. Quoi? Il y a un cessez-le-feu dans cette zone, alors tu déconnes pas. Oui. Happy birthday. Non. Boum. To you. Alors attends, les deux camps sont intéressés par mes services ou... Ah non, il n'y a qu'un camp. Il n'y a que ce camp-là qui est intéressé par mes services. On confie le matos. Ah bah... Le matos de guerre, tu vas halluciner, mec, quand tu vas tout me confisquer. Non, le bizutage de Patoon. Je rappelle que j'ai pas mes Patoons ni mes chapeaux de dispo, ni mes PlayStation. C'est pour ça que je fais pas de Final Fantasy en ce moment. Je suis désolé. Pas de ça et bois. Une bouteille pareille, on en voit pas tous les jours. T'as de la chance que mes vieux potes aient foutu le camp. Maintenant, il me reste plus que des gens comme toi pour trinquer. Voris, t'es toujours en colère toute la journée. T'arrêtes jamais. C'est ce que j'aime chez toi. Ces dialogues surréalistes. Oh, les instruments, trop bien. Il y a un groupe qui joue de la musique. La situation devient vraiment sérieuse. Nous devons reprendre le contrôle de cette bataille. Et vite, je voudrais te parler d'un travail. Ouais, si tu bossais maintenant. Notre petit paradis est menacé, il y a un type du coin qui nous cause beaucoup de soucis. C'est un prof, il s'appelle Setunia. Il apprend à la PR à faire des bombes. On s'en passerait bien. La PR a installé cet emmerdeur. Il se sert d'un atelier au centre de formation. Il lui a demandé de partir, mais Unia a du mal à imprimer. Faut lui expliquer. Bang. Eh B. L'UFLL est très généreux. Beaucoup d'argent, comme d'habitude. Tu détestes aussi les professeurs. Le dossier qui bouge voilà tout seul. Va à l'est vers le centre de formation, buté Unia. Ok. Prends diamant. C'est beaucoup de dégâts, mon pote. Ah bah non, mais là, je te fais sauter le village pour prendre diamant. Va y avoir un cratère de 50 mètres de diamètre à la place de la cible. Parce que me payer 30 diamants, c'est une fortune. Je peux m'acheter un flingue high-tech neuf. C'est horrible, c'est horrible. Non, on a déjà sauvegardé. Alors, il est où le stick? Ah, évidemment! Évidemment! Ah, quand même, je t'ai enfin. C'est Nasrin. Je t'en prie, viens me rejoindre à la décharge au nord de l'aéroport dès que tu peux. Ah! Qu'est-ce qu'elle me veut, la Miss? Qu'est-ce qu'elle me veut? La décharge près de l'aéroport. C'est où ça? Ah, c'est pas trop loin d'ici. Attendez, je vais faire le tour de la capitale. C'est intéressant. Oula, faut que je ralentisse là, parce qu'il y a peut-être du monde dans les casse-bas. Oui, bah, pour reprendre la bonne formule d'Ayurster, n'hésitez pas à vous regarder les uns les autres au niveau de vos contenus Twitch respectifs. Mais oui, c'est bien de nous suivre. C'est qui que j'ai suivi hier que je suivais pas? Bah, c'était toi, Ange de Lumière. Alors, pardon, hein, le temps de fermer mon antenne et de bavarder encore avec mes intervenants en vocal hier soir, j'ai débarqué en grande pompe sur ton canal. Ange de Lumière, je t'ai pas fait la causette, je suis désolé, mais il fallait que j'aille me pioter.
Et oh, le drapuge. Non, par contre, ange de lumière, une suggestion que je me permets de te faire, parce que justement on en avait discuté entre nous. Tu as fait un choix qui est pas forcément idéal quand on démarre dans, sur Twitch. Voilà, là j'ai du répondant. Tu disais que le chat, tu l'as réservé à ceux qui suivent ta chaîne. Et en général, vaut mieux faire ça plus tard quand ta commu est déjà assez nombreuse et de confiance, si tu veux, tu vois. Parce que il y a pas mal de monde qui se braque lorsque tu demandes à suivre la chaîne pour pouvoir interagir avec toi. En général, les trois quarts des gens se barrent finalement. Ah merde, j'ai encore envie. Voilà. Quelle horreur. Je l'ai achevé dans les buissons. La méthode corse. Non, ça parle très mal. Dans le maquis. Alors. Ah bah, elle est là, la miss. Elle est dans la casbah. La miss mercenaire. Benzaiten, c'est ce que je l'ai fait hier, mais je me suis barré comme une voleuse. Par ici, il se passe quelque chose. Il y a de l'agitation là-bas. Ça veut dire qu'on doit agir vite. Tu travailles avec Mbantue ? Il t'a pas tout dit. J'ai besoin d'aller au passage frontalier pour trouver la station de communication. À l'intérieur, il y a un classeur. J'en ai besoin. Ah ouais ? Le classeur indique les emplacements des tours GSM de la région. Oh cool ! Les contrebandiers les utilisent comme point de repère. D'accord. Avant de tuer l'instructeur, force-le à utiliser son téléphone satellite pour envoyer un message à son ami pilote. Donne-lui les nouvelles coordonnées. Comme ça, le pilote nous balancera le paquet. Compris ? Mm-hmm. Le pilote et l'instructeur travaillent comme ça depuis un bon moment. Ils se font un bon paquet d'argent en vendant au marché les fournitures détournées. Maintenant, j'ai besoin d'argent. Ah, pas con. Mais cette fois, je récupérerai le paquet à l'atterrissage. C'est une maline. C'est une maline. Attends, j'ai pas besoin de... N'oublie pas, le classeur est à la station de communication. Oui, ok ma grande, ok. Là. Oh merde! Ah oui, alors là c'est pas la. C'est pas à côté. Elle abuse la miss. Oh là. Puis y a pas de rivière dans le coin. Oh là là, mais. Oh, mais elle m'envoie à trou perdu la princesse là. Elle m'envoie à trou perdu. Pouah! Comment veux-tu que je rejoigne la zone? Oh la vache! C'est vraiment pas la porte d'à côté. Eh ben, va y avoir de l'action, les copains. Je vous le dis, mais. Je vous l'ai dit. Non, alors faut que j'aille à gauche. Je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Alors que je me fais déjà allumer par des moustiques. Vous poursuivez ou pas? Je crois pas. Enfin, je suis pas sûr. Attends, je vais m'arrêter au pont. Ah si, attends, j'ai vu du mouvement. Attends, ah merde, c'est eux qui m'allument. Merde, ils m'ont eu. On a une chance terrible. Regardons ce que nous pouvons faire. Je vous avais promis de l'action. Quoi? Oh, t'es tout fait avec une lunette de croissant. N'importe quoi. Ah oui, tes pâtes poulet crème. Oh, tu m'inspires, tu ne sèmes. Je me souhaite peut-être la recette prochainement. C'est... pas mal, ça me plaît ta description de plat, tu ne sèmes. Gardez la tête baissée. Très bien. Arcla, soignez-vous. Oui, je peux me soigner, mon grand. Alors, attends.
Oh merde. Oula, comment qu'il est tombé l'autre? Et on est cerné ou c'est mon pote ou c'est un ennemi là que j'ai dans le viseur? J'arrive pas à identifier la cible, c'est mon copain ou mon collègue Attends, il y a un bordel. Non, c'est pas un copain lui. Merde, le buisson m'empêche de le... Wouah! Je suis perdu, j'arrive plus à identifier mes cibles. Alarme! Oh merde! Alors, un en moins. Oh la vache! J'espère que mon collègue mercenaire a... Oh, il est coriace le gars. Il a dû s'en sortir. Quoi? Pourquoi j'entends une explosion? Attends. Qui c'est qui tire à l'artillerie là? Ah, c'est lui! D'accord, je comprends mieux. Il y avait un lance-roquette, tu m'étonnes. Wouh! Wow! Quelle atmosphère de fou! Putain, il faut que j'inspecte tout à 360 degrés. Incroyable! Incroyable! Wouh-du-du-du-du. Moi, je suis tellement dur en cuisine que j'arrive même à cramer l'eau. Ne me demandez pas comment c'est possible, c'est un très rare. Ah mon dieu! La la la. Oh, je vois des choses. Acquisition de matos. Acquisition de matos. Da di da da di da di da da. Attends. C'était quoi? Ah, c'est un. D'accord, pharmacie. Ouais, bah je vais prendre ce véhicule là, puis je vais me barrer avec. Oh, j'ai oublié de faire mes muses. C'est vrai qu'il y avait un loustique qui avait un lance-roquette là que j'ai abattu. Je veux faire mes muses avec le lance-roquette. Là, le vilain. Mumuse, lance-roquette. 3 tirs. Oh, trop tentant. Surtout que la recharge, elle est là en plus, alors. Alors, on fait péter quoi? Ah. Oh. Trop envie. Trop envie. Ouais. C'est rigolo. Il y avait un navire, je peux pas l'atteindre. Ah non, je suis pas dans le bon axe, tant pis. Ouin. Ah là 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 là. Oh, c'est moi, j'ai entendu un tir. J'entends des tirs. J'ai entendu des détonations d'armes à feu.
Putain la vache. Pas de diamant, non pas de diamant. Bon, ah bah non, attends. Non, ah, c'était peut-être pas une bouteille d'eau. Parce que comme il me manque une barre de vie, j'avais cru voir une bouteille d'eau, mais non, j'ai rêvé. Non, bah j'ai du caca dans les yeux, laissez tomber. Pas sûr que j'ai pris la bonne route, moi. Ah, il y a des... Bon, ça va. Je pense que je vais pouvoir me récupérer et aller plus à l'est. Ah oui, mais ça, c'est la planque. Je vais pas aller à la planque. La planque ne m'intéresse pas. Attends, il y a du monde là. Merde, oui, j'ai entendu. Évidemment, on arme merde. Ah oui, il y en a un autre. Ah mais c'est une citadine. Voiture classique, ok. Quoi? J'ai connu un spectateur qui se mettait nu pour faire sa vaisselle. Oh mon dieu. Oh la vache. Moi je suis fait abattre comme un caca. Oh là là, déjà 11h. Ça va faire 1h30 que je suis sur Far Cry 2. C'est fou. Comment ça? Ah, faites quelque chose. Qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit ah, faites quelque chose? Comment ça est par ici? Bah, je vois pas la personne qui m'appelle. Attends. Bah. Qui c'est qui m'a appelé? Il y a un mec qui m'interpelle, mais je sais pas où il est. Il est en PLS quelque part dans la brousse. Les soldats me tueront à coup sûr. Qui me parle? Attends, je suis en train de devenir fou là. C'est un piège, c'est une embuscade. Mais qui me parle sans déconner? Les soldats me tueront à coup sûr. Mais pourquoi je vois personne? Je deviens fou, c'est la chaleur qui me pèse. J'entends des mirages qui me parlent. Le truc pas possible, mais bon. Attends, mais qui m'a parlé? Les soldats me tueront à coup sûr. Alors, je lis le sous-titre, mais j'entends rien au son. C'est moi ou c'est un bug? Je deviens fou là. Tiens, je connais cet endroit? Bizarre. Ouais. Ah, faites quelque chose. Bah, je veux bien, mais... Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et là, pourquoi c'est barré?
Et par ici. Bah oui, mais t'es où, mec? Ah, faites quelque chose, oui, d'accord. Non, mais c'est pas possible, je suis victime d'un bug. Pourquoi je trouve aucun mec qui gesticule dans la... Il peut pas tendre le bras, le gars, pour dire « Oh, je suis là !» Je vois rien. Ça n'a pas de sens. Attends, il y a quelqu'un ici, peut-être. Oh, c'est quoi cette planque? Oula. Attendez, me laissez pas ici. Mais merde! Je vois rien! Il est où le gars? Si au moins je pouvais me diriger au son. Mais j'ai que le sous-titre et j'entends pas la voix du mec qui m'interpelle. C'est du délire! Bah oui, à l'aide. Mais c'est horrible. Attendez, me laissez pas ici. Le mec était randonneur, il a chuté au pied d'une falaise ou... il est en train d'agoniser, le malheureux, ou quoi, là? Attendez, me laissez pas ici. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Attendez. Je sais plus comment réagir là, je comprends plus. Je vois personne. Attends. Est-ce que j'ai perçu des gémissements? Les soldats me tueront à coup sûr. C'est pas par là quand même. Attendez, j'essaye de grimper, voilà. Qu'est-ce que... Oh! Bah au moins je serais pas venu pour rien. Bah merde. Non, c'est un animal quelconque que j'entends. Je soupçonnais un gémissement humain d'un mec qui a une respiration lourde, mais... Ça correspond pas. Putain, puis le gars, il agonise et continue de me parler. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Bah, relance le jeu, ouais, je sais pas. T'as peut-être pas tort. Ouais, tu penses à un bug, t'as peut-être pas tort. Parce que franchement, là, ça me rend fou. Hein. Je suis désolé du mouvement de flottement, mais... C'est incompréhensible. Alors, ouais, je vais faire ce que tu dis, t'as raison. Je quitte le jeu à reprendre des bonnes données. Parce que là... alors, tac, 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 tac. Voilà, que je puisse vous suivre dans le chat. Ouais, ouais, je relance le jeu, là, je comprends plus, là. Déjà que j'ai le bug du bandeau quitter la zone de cessez-le-feu sans encombre.
Ah, ça, pour un mystère, c'en est un. Mode histoire. Alors je vais rebrasser des trucs, charger une partie. Vas-y. Ça y va. Ah, encore je le trouve rapide là. On va voir. C'est... trop étrange. Vraiment trop étrange. Ouais, faut que je me barre par là-bas. Bon bah je vais essayer de rejoindre mon véhicule. On va voir si j'ai un sous-titre d'un mec qui gémit. Ouais, je crois que t'as raison le baron. J'ai plus rien. Ah si! Attendez, me laissez pas ici. Merde! Mais c'est pas vrai! Eh, hey, c'est de la dynamite ça. Pourquoi il y a une charge de dynamite ici? T'as n'importe qui aurait pu la faire péter. Bah, le mec il est où alors? Bon, dernière inspection parce que le jeu est en train de me rendre fou là. Bah écoute. Les soldats me tueront à coup sûr. Mais non mais... je suis désolé, le mec est introuvable. Il nous interpelle, il y a le sous-titre. Bah, à l'aide, bah ouais, mais... je suis navré, mec, mais... tu fais pas assez de bruit pour que je puisse te localiser au son de ta voix. Hein. J'ai beau scruter à la lunette l'horizon proche... Je repère aucun humain là. Non mais c'est horrible en plus les appels à l'aide qu'il fait. On va voir que c'est un guet-apens. Je vais rouler sur le pain de dynamite et boum, je vais crever comme un caca. En fait, il y a un radio-cassette qui est greffé au pain de dynamite pour attirer les gens. L'horreur. Mais je vais essayer de passer par là. Non, le malheureux, je le laisse à son triste sort, parce que... Non, hey, j'espère que je vais pas cumuler les bugs. Arrêtez, les gars. Oh, merde. Il y a du monde. Oula. Bonjour, Rocco. Oui, bien sûr. Allons-y. Je suis prêt. Bonjour, Rocco Funfan. Ouloulou, t'es tombé du lit, là, c'est pas possible. T'arrives plus à faire tes saisies clavier, Funfan. J'espère que tu vas bien. Vous dites you. Non mais c'est un bug, c'est pas possible. Le bug qui m'aura fait perdre un gros quart d'heure. Mais... ah, là par contre j'entends une motorisation d'un navire. Voilà. Là je suis d'accord. Non, mais c'est une blague. C'est une blague. Allez, c'est la fête. Ah là 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 là. Quoi? Qui c'est qui a essayé de m'éliminer là? Tiens, tiens sa trace et on va le ramasser. Bien joué, encore une fois, avant que je me connaisse.
secours. Il est là! Ah, ils sont là. Oh, bah, il y a un véhicule, attrape. Ah! Bien, on plein sur la route, lui, il est mort à coup sûr. Ah, bah oui! C'était Monsieur Lance Rocket! C'était Monsieur Lance Rocket! Comment ça, tirer? L'autre, il me donne des ordres militaires. Tirer, non mais n'importe quoi. Oh, plus de panneaux. Panneaux lance-roquette. C'est très con ce que je viens de faire. Très très con, j'adore. Oh, j'aurais pu. Ah oh, oui. Un petit navire. C'est beau. Bon, allez. Burp. Burp, 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 burp. Réquisition de matos, si je peux. Ouais, nickel. Nickel chrome. Ouais, je peux revendiquer la petite trousse. Ah non, c'est pas une trousse à pharmacie. Putain, mais il me tue le bug du. Et par ici. Non, mais ça va devenir jouable si je cumule des bugs dans le jeu là, ça. Il n'y avait pas une trousse à pharmacie. Ah si, merci. Je me disais aussi. Donc, dans ce bazar pas possible. Qui c'est qui m'allume là ? Ah oui. D'accord. Ah mais il en a pas fini. Attends. Ah non mais il m'aura coûté cher en pharmacie lui. Bah tiens, c'est le panneau que j'ai tiré à la roquette. Putain, mais c'est n'importe quoi! Ce qui me bouffe, c'est si je pouvais entendre distinctement le mec qui appelle à l'aide, je pourrais le localiser, mais là, d'avoir juste le sous-titre, ça me rend vraiment fou. Ça me rend vraiment fou. Bon, bref, par là, il y avait de l'action à deux mots, là. Merde, je suis en train de louper la route. Génial, j'ai endommagé le véhicule, tout va bien. Oh merde. Oh non. Ils m'ont trucidé avec une aisance déconcertante. Ah, vous me faites rigoler dans le chat, c'est bien. Bon, je sais que la cavalcade va arriver. Tiens, les blas. Bon, attends, au moins j'aurai le mérite de les exciter. Allez, pointez-vous.
Bah alors, il se ramène ou N'importe quoi. Ouais, il y a une antenne. Il y a une antenne relais. Oh merde, je suis mal positionné là. Je suis tellement de traviole que... Non mais c'était pas mal de prendre la... Le volant. Tellement de traviole que je peux pas tirer dedans. Je tire dessus du coup maintenant. Mais les gars ils vont m'envoyer. Bon, et le véhicule de mes deux, là, de patrouille mobile, il va se pointer ou pas? Aïe, 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 aïe. Non, il n'y a plus personne. Oh là 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 là. Ouais, donc je continue mon chemin ou ma route plutôt. Je vais te marcher ma route. La 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 la. Les jolis zèbres. Il est beau. Oh, le joli animal. Il est beau, il est beau, il est beau. Il est bleu, il est beau, il est bleu, il est bleu, il est bleu. Oula, il y a du pop ici, obligé. Ils vont m'avoir, faut que je me soigne parce que là, la santé en a pris un coup. Pas grave, je sais que dans leur matos... Merde, mais mon véhicule va exploser. Oh là 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 là, je suis pince de guerre. Ah, je les aurais eu? Sérieux? C'est le cas, tant mieux. Alors là, il me faut tout sa pharmacie, surtout. Parce que là, le dopage, j'en ai abusé. J'ai abusé du dopage. A plus, le coyote. Oui, bonne journée. Ah, une petite pharmacie. C'est toujours ça de prix. Mais il n'y avait pas plus? Oh. Attends. Dans les trucs qui clignotent. Non, ça c'est une munition, c'est pas de la pharmacie.
Allez. Ah. Ah ah. Ouais, j'aurais pas dû faire du hors-piste. C'est pas grave, tant pis, je continue à pied. Ça n'a pas d'importance. Bah oui. Alors, c'est quoi mon objectif? Alors, oui, non, mais je vais aider Africa Telecom à Sepoko pour récupérer la carte. L'UFL m'a recruté pour exécuter cette UNIA, les spécialistes des bombes de l'APR, qui travaillent dans la grande école. Nasrin Davar m'a dit que UNIA utilisait des tours GSM pour détourner des largages de provisions. Si je peux récupérer la carte de ces emplacements, je pourrais obliger UNIA à aiguiller son poste là où nous voulons. Ok. Donc, ah, c'est Africa Telecom à Sepoko, récupérer la carte. Ah, alors, est-ce que je peux tout faire péter et récupérer la carte sans qu'elle soit incendiée? Ce serait bien. Ce serait cool. Bon, je vais générer un petit incendie. Ça va les occuper un moment. Ça va les occuper un moment. Oh, je t'ai vu. Oh, j'ai l'embarras du chemin. Hey, la vache, c'est mon mot. Ils sont nombreux, les gars. Je crois qu'il m'en manque un. Faut que je fasse gaffe. Il y en a un qui a dû échapper à ma vigilance. Ah ouais, le v'là. Ah, même deux. On a déjà repéré le gars. Oh, il y a un snipe. Les balles qui sifflent, c'est des balles de snipe. Elles peuvent faire très mal. Elles ont un pouvoir pénétrant. Il est où le snipe de mes deux? D'où il tire le snipe? Je le vois pas. Quoi? C'est au-dessus? J'ai cru voir une balle passer avec une trajectoire très étrange. Il y a un mec là-bas. Aïe! Mais il va m'abattre, le gars. Faut que je bouge. Oh! Il m'a eu! Alors que j'ai bougé. Bah merde alors. Alors, hop là. Alors, sauf que là, je suis plus dans le sens du tonneau. Mais où était le snipe? Ah, le mec, il était bien positionné, quoi. Ah, ça bouge un peu, mais... Non, allez, je vais la rentrer dans le lard, là, parce que... J'y vais à la Rambo. Putain, l'autre, il m'a déjà repéré avec son... Il est où, le snipe? Bon, déjà, il y a un mec à la roquette. Oh, la vache! Il arrive à faire des tirs serrés, le gars. Bon, il faut que je descende dans le... Dans le merdier. Ah, un petit incendie.
Oh, oh, comme dans un mauvais film d'action. J'ai tiré à bout portant la silhouette. J'ai dessiné la silhouette du mec qui m'a abattu avec une aisance déconcertante. Non mais c'est nimpe. Ça va pas m'agacer du tout. Ça va pas m'agacer du tout. Comme par hasard, le mec on le voit plus. Que j'aille là où il y a le grillage. Putain, on voit plus personne. Et la carte, elle est où? Ah bah elle est toute proche. Attends, les plans sont là. Ah, dans la casbah. Allez, je me la joue agent secret. Le mec il est au-dessus, je le vois. Non, j'étais au bon endroit. Bon, le mec dans sa vigie, il va mourir. Ah, c'est des planches solides, hein. Merci. Ah putain, j'ai touché. Attends. Où est-ce que tu es? Ça passe rien. C'est parti. Arrête de te plaindre. C'est comme ça. Putain, vous n'êtes pas en plus. Attends, ils sont où les docs? Où sont les documents? Je l'ai. À couvert. Finissons-en et vite. Oh vache, ils sont en train de démonter le truc. Tiens, attrape. Oui. Ah, il se relève. Ça craint. Ils se battent. Je bats. Allez, fais-moi une heure, ils sont 600. Ah, il est là. Il a sauté de joie. Bon, ils sont où ces documents de mes deux? Un homme à terre, vite, Wilson. Oula. Eux aussi, ils font tout péter. Ah oui, des renforts, que je rigole un peu. Merde, il m'a repéré, lui. La fusée, ah oui. Bon, ces docs, ils sont où? Oh, c'est moi ou j'ai vu un mec détalé? Les documents, où sont les documents? Voilà les documents. Quoi? Qui c'est qui m'a tiré dessus? Oh, il y a du monde là-bas au loin. Ouh. Merde, les renforts arrivent. Salopard, des hauts toi. Je t'ai vu. Merde. Oh. Oh, la faute professionnelle. J'ai osé garder une arme sur moi qui était pas rechargée. Ouh. Faute. Faute. Merde, je voulais pas tirer. Non, ils m'ont repéré. Normalement, ils m'avaient pas repéré. Triche. Ah. Oui, je sais où t'es, Caridas.
Mais j'allais dire, il va mourir lui. On mais... peut rien faire. Aïe, il faut que je tire entre les lattes, les planches de bois, c'est fou quand même. Coriace le mec. Non, ça c'est le désert là. Si je veux changer de pays, il faut que je me barre là-bas loin. Aïe, bononga. Oh, j'ai vu du monde. Oh la vache. Le souffle de la grenade. Ah ça, pour sentir mauvais, ça sent mauvais, mon gars. Qui c'est qui ? Attends, il y a un mec là, c'est pas possible. Ah ! Pas de bug de collision, j'accepterai pas. Ah, cette action intense ! C'est mieux qu'un Rambo ! Où êtes-vous ? Cher mec shit ! Je crois qu'il y a du monde qui va arriver en amont. Enfin, normalement. Bon allez, j'ai rechargé mon joujou. Oh, qu'est-ce qu'il veut dire ? Donc le dit document était là, je crois. J'ai dit je crois. Oh, bah alors. Oh là là, ils ont foutu le feu ces idiots. Génial, ils se tuent entre eux ces abrutis. Ça me plaît beaucoup. Attends, il y a un salopard par là-bas. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi on m'appelle maintenant ? Merci de ton aide. Je te rappellerai quand tu seras occupé d'instructeur. Oui, bah je verrai l'instructeur plus tard là. J'ai juste une guerre à gérer localement et tout va bien. Je sais pas combien ils sont. Je compte pour 10. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur de tous les mercenaires. Le chacal va m'embaucher. Obligé. Hop. Ah. Ah non, j'ai cru que c'était un mec. Mais bon, ils sont morts. J'ai gagné. Non, sérieux. Ah non, il y a l'autre idiot qui tire les pros. D'ailleurs, il me faudra une trousse de pharmacie. Alors, monsieur Rocket. Monsieur Rocketman, où êtes-vous ? Ah, puis il y a un snipe. Je sais pas où il est. Ah, il est là ! Salopard. Oui, bien sûr. Tire sur le bus. Ah, bon. Pharmacie. Oula. Chacheur le boulet. Alors il y a la télé. C'est le bordel. Bouge. Alors elle est où la pharmacie ici? Quoi? Qui c'est qui m'allume? Qui c'est qui m'a tiré dessus? Je sais pas, j'ai fait le plein d'un truc. Non, j'ai pas de... Ah ! Petit con. Je l'ai eu. Le salopard. Attends, une telle installation, ils ont obligatoirement une grosse pharmacie, c'est obligé. C'est obligé. Quoi ? Ah, là, voilà la pharmacie. Non mais, ils s'amusent. Oui. Ah oui, il est mort. Bon, alors, je me soigne. Ah, je me sens mieux.
Oh la guerre. Bonjour Torota. Mais on va bien, merci. J'espère que toi tu vas encore mieux. Par rapport à tes soucis digestifs, on va dire ça comme ça. Ah, il y en a des choses intéressantes dans cette casbah. Putain, il y a même des passeports à même les bureaux, quoi. C'est complètement abusé. Oh mon dieu, tant de choses. Vous aussi découvrez l'Afrique secrète. Ouais, ça va bien mieux. Ça va bien, du moins, tu me dis. Bon, bah c'est cool. Heureux de le lire. Bon, on est d'accord, il n'y a pas de diamant ici. Oui, la carte, mais d'une manière générale dézoomée. Oui, donc maintenant je suis libre d'aller liquider le gars qui apprend à faire des bombes artisanales. Il n'y a rien là-dedans. Ah oui, non, c'est là que ça avait cramé. Bon, bah je prends une bagnole et je me barre. Oh, j'ai le droit à un tir de Wocket. C'est trop tentant. On va tout casser. Voilà. C'était un tir de roquette. Oh merde, le feu est reparti. Je vais me barrer, puis comme dans un bon film d'action, tout va exploser façon Michael Bay. Ce sera trop bien. Ce sera trop bien. Da di do da da di do di da di do da. Ce sera trop bien. Alors. Révisons la géographie locale. Révisons la géographie. Je vais avoir le culot de faire de la hors-piste. Attendez voir. Je suis fou, je l'attends. Aïe. Oui. Ah merde, c'est un chemin pour les piétons, pas les bagnoles. Oh, ça passe, hein. Oh. Ah non, déjà fait, déjà fait. On oublie, déjà fait. La 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 la. Attends, j'essaie désespérément maintenant de rejoindre la route. Mais je sais pas si je peux avoir ce luxe. Ah si, la route est là. Le bol. J'ai du bol. Oh non. Non mais dis donc toi. En plus ta Jeep est de meilleure qualité que la mienne, c'est honteux. Réquisition d'office. Ah. Mais il va se calmer là l'autre. Oh non, il m'a liquidé. Il avait des munitions de gros calibre. Allez, je fais la mission là de zigouiller l'instructeur en bombe, en bombinette là, et je passe sur un autre jeu. Peut-être Arx Fatalis d'ailleurs, je sais pas, je vais voir. Ah, faut lâcher. Bon, l'autre là qui se pointait à Donf, il arrive ou. Le trollolo de mes deux là. Oh, je suis là. Ah bah tiens. Allons-y alors. Très bien. Très très bien. J'en ai calmé plus d'un là, c'est cool. Attends, je jette un coup d'œil au chat. J'espère que je vous mets pas devant. Il va manger en famille, le baron. Oh, c'est cool. À ce soir, Zoubi, le baron. Enfin, il est déjà parti il y a 10 minutes. Mais... Oh, c'est bien. Vous profitez de vos dimanches en famille. C'est beau. C'est beau. Vous avez bien raison. Oula. C'est mon cocktail Molotov. Merde. Qui c'est qui m'a. Oh merde. Monsieur Rocketman. J'ai scandalous. Attends, l'arbre va pas m'aider du tout. Attends, il est où le mec? Attends, elles partent d'où les. Ah, elles partent de là. Ah, attends, le mec il est là-bas.
Non, mais... Ce bug de collision du... Oh, c'est honteux. C'est honteux. Je l'avais dans le viseur, mais le jeu me refusait la... le tir. Waouh. Je vais avoir du mal à honorer mon, mon contrat, là. Allez, viens. C'est bon. C'est bon. Oh, 3 litres 8, V6. C'est beau. Magnifique, très cool. Très cool, locality Jeep. Oh. Oh, mais... Normalement, alors, il est vrai que l'histoire ne dit pas si j'ai un gilet pare-balles, je ne crois pas. Mais quand même, j'estime avoir l'avantage et je me refuse de mourir comme un caca comme ça. Voilà. Merde, il est encore en vie. Il faudrait que je répare le moteur. Les autres vont arriver comme des excités. Allez, niaou. Alors là, je me soigne. Merde. Ah oui, il faut que je recharge. Il est là? Ah oui, il est là. Yeah, je l'ai eu. Laisse-moi t'achever, laisse-moi. Oh merde. Oh vache. Oh les boules. J'ai eu chaud. J'ai eu très très chaud. C'est bon, c'est quasiment une sculpture naturelle, ça. Alors, bande de vilains, où êtes-vous? Dénoncez-vous. Je vais faire mon sniper au milieu des oiseaux, j'en ai rien à péter. Eh, y a du monde en bas ou pas? Aucune idée. Ah, alors attends, il y a un snipe qui m'en veut, là. Ah merde. Oh, c'est de mieux en mieux. Merde. Non mais non. Mais décoince l'arme abruti. Oh merde. Merde. Oh la pluie arrive. Change d'arme. Alors, il y a la pluie, tout crame sur je sais pas combien de kilomètres, tout va bien, c'est le chaos, c'est la guerre. Mais oui, mais acharne-toi sur ce flingue là, vas-y. C'est pas comme si j'avais acheté la fiabilité, tu vois. Ça fait plaisir, une telle défaillance. Bon, monsieur Rocketman, où êtes-vous? J'ai deux mots à vous rire. Il est là. Merde. Évidemment, il bouge au moment où je l'allume. Pardon? Ouais, guerre de tranchées. Ouais, il y a un peu de ça, Toyota. Mais guerre moderne, hein, t'as vu les armes lourdes que j'ai? Eh ben, la pluie, hein. Je dis que la mère nature aura le dernier mot. Ça va de soi. Oh, le bordel. Il y a même un panneau de signalisation qui en est tombé. Il a rien demandé, le panneau de signalisation. Il faisait son travail de panneau. Voilà. Bon, pharmacie, là, j'ai déjà bouffé deux trousses. Même une petite pharmacie serait appréciée. Voilà, comme celle-ci, exactement.
Ah, des explosifs. Des explosifs. Bon, ça va. Alors, je dois aller où? Je dois aller... Alors, je vais prendre la bagnole. Oh! Je dis oui. Incroyable, vous avez une vraie grosse pharmacie. Trop bien. Alors, mon contrat. Mon contrat n'est plus très loin. Ouais. Faut que je me barre par là-bas. Je vais très probablement croiser une patrouille mobile qui va me... Bonsoir, enfin bonsoir. Je suis une bonjour Nashman. Non, là où je suis un peu tristounet, c'est que Olive qui tue ne soit pas manifestée à nous. Elle est peut-être occupée ce week-end et... J'attendais un peu Olive qui tue avant de me lancer dans... Ars Fatalis. Y a pas que les fesses qui m'a grillé le vilain. Voilà. Quel moment il me tue. À regret, je pense que l'Iftitude n'est pas dispo ce week-end. Donc, je vais faire quand même mon arc satanis si on veut. Ah, c'est de là qu'il vient. Va lui faire mal ou attends, ça va péter là. Ah, merdoum. Ouais, non, il est mort. Vite, le véhicule va péter. Vite, dégage, vite, vite. Je vais récupérer le véhicule. Dégage, dégage. Marche arrière, marche arrière. Marche arrière, marche arrière. Ça va péter. Wouh. Ah. Voilà. C'était sûr. Non, ça va, le véhicule est en bon état. Ouh ! Oh là 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 là, ce stress ! Je me dis oui, je vais ma cible. La dernière de la journée. Je me dis oui, je vais Polytechnique. Les polytechniques de guerre, oui. Tiens, attrape. Oh, merde. Attends, qu'il me soigne là parce qu'il me fait bobo. Il est où, quoi? Attends, vite la baraque. Oh! Oh vache! Tire pas sur le tonneau, sinon je suis mort. C'est pas comme si c'était un baril d'explosif. Non, tu tireras pas. Ah! Le mec, il est pas là? Non, je sais pas. Hop là! Un petit peu de flotte, ça va me requinquer.
Parce qu'elle meurt en bout de mes deux là. Oh merde, y'en a un autre. Ah, j'ai des munitions si je veux. Ah oui, y'a un tableau déployé là. Merde. Ah, il m'a eu. Oh merde, le truc qui arrive jusqu'à moi. Oh, comme tu peux rien, je suis fait sauter tout à l'heure. J'en peux plus de se merguer, je vais te courir. Bordel, il est là. Vache. Je lui ai tiré à l'épaule, il a pas bronché le mec. On peut rien faire d'ici. Coriace le gars. Moi j'ai envie de dire prends du recul. Voilà, comme ça. Les aurais-je eu? Non. Il y a encore du peuple. Je sais pas où il est, mais il est là, le gars. Hop là. Ah. Non, pas besoin. Ah, cool. Encore des munes. Oh la vache. Où est ma cible? À force de faire des baraques, je vais finir par me retrouver nez à nez avec la ma cible. Ah, il y a un truc qui... Dans les cartons, là. Ouais, ouais. Petit diamant en cadeau. Oh merde, dangereux ça. Personne? Non. Alors, il y a ma cible qui est encore en vie et je soupçonne qu'il y ait d'autres mercenaires planqués. Attends, je vais faire les autres baraques. Ah, le voilà le professeur. C'est pas moi que vous cherchez. Je sais pas pourquoi vous êtes ici, mais je suis innocent. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi. Une dernière volonté, peut-être? Non. Ah. Adieu. C'est horrible. C'est horriblement efficace. Cette exécution sommaire, qu'est-ce qu'elle me veut la mission? Qu'est-ce que tu fais? Bon, très bien. Ignore mes conseils. Ah merde! Ah, il fallait... Non, il fallait que je l'influence. Fallait pas que je le bute. Fallait pas que je le liquide. On rembobine. Vous n'avez rien vu. Le mec meurtrier dans l'âme, assassin. Vous n'avez rien vu. Il fallait que je le menace, pas que je le trucide. Oh, le pauvre. Chapeau, Walter, c'est là. Venez à l'intérieur, ne me laissez pas ici. C'est pas moi que vous cherchez. Je sais pas pourquoi vous êtes ici, mais je suis innocent. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi. Attendez, attendez! Donnez-moi les informations, je m'en occuperai!
maintenant. Je savais pas qu'on pouvait avoir des taches noires devant les yeux en faisant de l'hypertension. Tu m'apprends encore un truc, Benzaï. Mon dieu. Alors attends. Aller à la grande antenne, l'obliger à envoyer des coordonnées, puis le tuer. Ah, voilà. Donc c'est maintenant que je suis en droit de le tuer. Ah. Allez, cuic au couteau. L'avion est en chemin. J'aurai bientôt le paquet. Alors, mesure l'animation de la plante, pourquoi je sais pas. Oh! Oh! Bah, là, je tire dans le moteur. C'était pas un petit avion. Vache. Bon, ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui au niveau du voyage africain là. Parce que visiblement j'ai zigouillé tout le monde, c'est horrible, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc la prochaine fois je pourrais faire quoi? Ah non, j'ai pas tout à fait fini. Faut que je rejoigne Namis. Faut que je l'aide à se débarrasser des troupes. Oh merde, elle est encerclée. Oh non mais c'est pas vrai. En fait, il faut que je me barre en courant et prendre un véhicule et la rejoindre. Oh là 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 là. C'est pas fini. Oh, y. Alors, elle est où la miss? Oh, incroyable que le véhicule n'ait pas pété. C'est un miracle. Merde, il est derrière moi ce con. Il y a du monde où je peux me servir? Non, apparemment je peux me servir. Pharmacie, s'il vous plaît. Je sais pas où, mais pharmacie serait apprécié. Non, ça c'est de la mune. Alors vous allez voir que par contre, ils vont pas avoir de pharmacie. Ah si, il y avait la carcasse de la bagnole. Et la carcasse de la bagnole. Mais bon, je peux pas traîner 50 ans parce que. Elle est en train de se faire allumer la malheureuse, il faut que je me barre vite fait, bien fait. Alors là, ça va être la guerre, forcément. Oh, puis la malaria qui s'y met. Moi, ouais, je suis mort, laisse tomber. Avec la malaria, une crise au moment où je suis pris dans une guérilla. Il mange quoi le sage ce midi? Bah, il sait pas. Il a le choix entre pizza, croque-monsieur, salade et je sais plus quoi. Le sage a pas fait le choix de son déjeuner. Merde! Ils ont lancé une attaque! Avec la malaria de mes deux, là, c'est mission impossible. Merde. Surchauffe, je peux pas faire le Rambo tout le temps. En même temps, je vous avoue que c'est complètement craqué. Ils sont. Ah, il y en a un là-bas. Il n'y en a pas un autre? Attends, je vais au niveau du wagon, ce sera mieux.
Allez, cours Forest. Y'a quelqu'un là? Oh merde, oui, y'a quelqu'un. Ah, y'a quelqu'un d'autre. Alors, pharmacie, c'est apprécié. J'aimerais vite un véhicule pour rejoindre ma partenaire avant qu'elle se fasse tuer. Si elle n'est pas déjà morte, ça tient du miracle. Parce que là, elle tient le siège depuis 5 minutes. Attendez, où est-ce qu'elle est? Oh, merdoum! J'ai pas le temps de consulter la carte, il y a un trollolo excité qui arrive dessus. Mais oui, mais bien sûr! Je sors du véhicule et mon arme est défaillante, bien sûr. Ah. Oh non. C'est complètement abusé. Non, ouais, non. Ma précédente méthode était la bonne. Encore que monter sur le véhicule et faire le snipe après est pas forcément une mauvaise idée. Ou alors. Attendez. Merde. Je me soigne parce que. Oh l'autre t'es. Ça va, tranquille mec. Oh, mais je l'avais. Oh là 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 là. Ah, pâte bolognaise. Pff, alors la sauce bolognaise, ça fait une éternité que j'en ai pas mangé. Ah, attends, voir. Merde. Il y a le trollolo qui est déjà là ou. Oula. Oh, il a réussi à m'avoir. Non, mais la sauce, c'est pas moi qui l'a fait. Hein. Oui, non, mais même, je veux dire, même bolognaise industrielle en pot, là, c'est pas dégueu. Mais ça fait une éternité que j'en ai pas mangé. Oh, bah alors! Dans le feu de l'action, mon premier jet était bon. J'avais pris le dessus. Si j'avais su, j'aurais sauvegardé finalement. Moi qui me fais la critique d'être un acharné de la sauvegarde. Oh là là, zéro en endurance. La malaria fait que je peux pas sprinter. J'ai pas d'endurance. Je suis dans le mal. Donc moi, je voudrais carapater et glisser près de la baraque. Je peux pas. Je peux pas. Ah, c'est d'un chien. Merde, on dirait que la sauce passe pas très bien. Non, mais là... Là, j'ai pas. Vache. Oui, défaillance, allez. Défaillance pour défaillance. C'est rigolo. Attends, il est où le con qui m'allume? Bah, comment qu'il fait? On peut rien faire, mais... Quelle merde. Bon, la pluie s'est calmée. Quelqu'un peut le tuer. Ferme-la. Allez, c'est parti. Oh merde. Toi, t'abuses. Ça tombe très mal. Ah, quand même. Merde, mon véhicule va péter. Oh merde. Oh merde, il va
Écoutez, allez. Cours Forest. Cours Forest. Oh, mais l'autre carrière. Mais bien sûr. Allez, viens, Nunuche. Je t'attends. Merci pour le véhicule. Bon. Les flammes vont pas m'aider du tout. Voilà, lui est mort. Oh là 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 là. Par où je passe? Je n'ai aucune idée de par où je peux passer. Faudrait presque que je m'enfonce dans le truc, mais je sais pas comment faire. Il n'y a pas un chemin par là-bas. Avec la voie ferrée, je peux pas me barrer. Il n'y a pas un truc quelque part. Là j'ai perdu du matos à foison avec le commando qui m'a retenu. Ah puis là forcément je me fais aimer. Oh là là là, bien sûr. Il est où? Oh, j'ai même plus de... J'ai même plus de vie, c'est horrible. Je suis dans la merde. Je suis plus dans la merde que ma coéquipière... mercenaire. Wouah! Cette phase de malade. On approche du grand final. Pouah! Pouah. Ouais, non, mais la végétation fait que je vois que quick. Wouh! Oh, ya, 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 ya. Bon. Merde, on dirait que l'assaut se passe pas très bien. Ah non, je vais pas me charger. Merde. Ah, ça c'est cool. Quoi? Merde, y'a un mec derrière. Merde, je peux pas bouger. Ça va aller, t'inquiète pas. Où est le Toubib? Vite. Ah, j'ai une autre bouteille, c'est cool. Alors lui, il est débile. J'étais débile ou man. Il m'était offert par la maison. Bon, je crois que je peux reprendre un véhicule et me barrer, non? Mais non, mais ils ont une pharmacie, c'est pas possible. Il faut que j'ouvre grand mes yeux, ils ont une pharmacie quelque part, c'est obligé. C'est une trop grosse installation. Attends, il y a un prolongement en contrebas, je crois. Elle est où la pharmacopée chez eux? Non. C'est des munitions, d'accord, mais... Oh merde, il y a forcément une pharmacie. C'est pas sur le quai que je l'ai trouvé. Le jeu qui va me rendre fou. C'est... Oh, des gnocchis, ça aussi, ça fait une éternité que j'en ai pas mangé. Bonne idée de repas. J'aime bien vos idées de miam. Mais il y a obligatoirement une grosse trousse, c'est un quasi-village ici.
Ils ne peuvent pas ne pas avoir de pharmacie, c'est pas possible. Et pendant ce temps, ma coéquipière que je suis en train de laisser crever là de mercenaires. Oh merde, Doom! Ça me bouffe! C'est quand même pas là qu'ils ont planqué la pharmacie ici. Mais non, mais y'a rien là, c'est nul. Non! Non, 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 non. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Alors, elle est là-bas, la malheureuse. Alors, comment on fait pour rentrer dans son truc, elle? Ok, aéroport, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Alors, je vais très probablement me faire allumer joyeusement. Je pourrais difficilement être autrement. Bon, bah, je peux jouer à qui j'écrase. Ah, il y a quelque chose. Ça a clignoté là, il y avait un trésor. Hein. Merde, des trucs détruits, je peux pas. Allez, je vais me le faire au flingue. Ah, t'es là! Merde, c'est toi que j'ai failli. Si, si, tout le monde me suit. C'est ça qui est drôle. Tout le monde me suit. Comment ça me suit? Tireur, même si tes goûts en matière d'armes sont un peu étranges. Bon, je peux m'en sortir toute seule maintenant. Bon, bah, je suis ravi de te l'entendre dire. Attends. Il y avait un truc de. Oh, dites-moi qu'ils ont une trousse à pharmacie. Je veux la trousse à pharmacie. Je prends le diamant ou la cassette du chacal là qui clignote et puis je me barre. Enfin, j'arrête ici pour aujourd'hui. Pharmacie, hangar. Oh, mais elle a fait tout le boulot elle toute seule. Oh, elle sait très bien se démerder comme une grande. C'est une chef, une très bonne mercenaire. C'est une très bonne mercenaire. Où est la trousse à pharmacie, bordelum? J'ai rien vu clignoter, là. Ah, voilà! Enfin ce que je voulais. Bon, maintenant un véhicule, non pas un avion. Le mec, il se bat en avion. Voiture. J'ai le truc à diamant ou cassette du chacal qui a clignoté, là. C'était quoi ça? Oula, c'était une bagnole de civil, elle a giclé comme un caca. Y'a rien au niveau de cet avion pour qui s'est viandé? Non, y'a rien. Merde, je vais y aller à pied, tant pis, je suis peu à ça près. Merguez Buff Agneau, mes préférés. C'est midi, et là nous perdons le sage. Oui, y'a un peu de ça. Y'a un peu de ça. Oh, je suis tout proche. Comment le capteur s'excite? Ah! Ah! Palette à la noix. Oh! Un joli caillou! J'ai gagné un joli caillou. Alors, là, je suis libre de mes mouvements, c'est ça? Eh ben, on fera ça la prochaine fois! Faudra que je retourne à la capitale et puis. On se dirigera tout doucement, mais sûrement, vers la fin du jeu. Parce que le jeu dit que j'en suis à combien, là? De pourcentage de... 65? Ça m'étonne. Bon, bah... Avais-je mal évalué le jeu en disant il me reste 10 heures de jeu? J'en ai peut-être pour un peu plus. Tant mieux, hein, moi je me lasse pas, vous le savez. Bon, bah... Alors j'hésite, il est midi et quart, je commence à voir... Tout de suite, on va peut-être faire une pause déjeuner. Je vais peut-être faire une pause déjeuner. Attendez, je vous mets ma tronche en plein écran. Coucou. Alors.